Charlotte, la belle voiture jaune va aborder la ligne droite.
La première saison. Voilà, ça va, il n'y a pas besoin, mais tout à l'heure, tu verras, il va bien servir. Les touristes, vraiment des touristes, là. Des jeunes, non? On rappelle d'ailleurs que si les... Ça arrive, hein. Noé va être annoncé dans le virage là-haut. La voilà qui arrive dans la ligne droite. Un petit véhicule blanc. Et voilà Tom qui aborde la ligne droite. C'est pas les Hugonniers. Quand la boule. Mais moi je fais le cul, je vous prends un par un, les gars. Si je me trompe. Fais le grand tour aussi. Alors, il a été au premier au championnat de France en C2 en 2019 et deuxième au championnat d'Europe de 2019 au Rennes, champion. Eh Gabi, du latéral là. Bravo Victor. Voilà Mathéo. Hey Gabi, on y va? Bon, allez, c'est 4, faut y aller là. On y va. En 46 secondes, Patrick Cassard, qui se décrit comme un champion de France du samedi soir. Et vous voyez que l'avantage, lui aussi fait partie des aînés, il est né en 58, il vient de Bourcière. Voilà Guy qui aborde la ligne droite. Jeune de 44 ans, de Fioncourt. Et voilà Nicolas. Dans la ligne droite. La chance de voir un tête à queue. C'est pas moi qui le dis, c'est lui.
remercier encore une fois tous les bénévoles grâce à qui cet événement peut avoir lieu. Et Daniel est né en 1985, il vient de Dombasle-sur-Meurthe, en Lorraine. Alors apparemment, il serait le roi du tour. Il a été 9e du championnat de Lorraine en 2018 et 8e du championnat de Lorraine en 2019. Voilà. A été 9e au championnat de Franche-Comté en 2017, 10e au championnat de Franche-Comté en 2018, et Jean Bassou. Christophe sur la piste. Là, qui aborde la dernière ligne droite. Champion d'Europe en 2009 et 2013. Bastien. Avant le virage angle droit. Harnaché, ganté, casqué, il en va de votre sécurité. Alors, Gabriel Jeudi a fait un meilleur chrono, 46-117, tandis que Franck Bernet est en... Et qui a été
cinquième au championnat de France cette année en 2022, mais auparavant, il a eu des places de premier, deuxième, troisième, cinquième au championnat d'Europe. Et attention, il est maintenant en catégorie C4 et c'est un concurrent redoutable. Sa caisse. Des londres là-haut. La voilà, avec mon gyrophare et peut-être de la musique. Alors, il semblerait que ce véhicule n'a pas d'essuie-glace. Alors, Gladys est en train de descendre avec sa caisse numéro 323. Gladys est née en 2025. Et ben voilà. Elle est née en Bota la Gambetta. On construit eux-mêmes ce bob. Dans lequel celui qui est à l'arrière. Il fait rien. C'est un lest. Voilà Noël qui aborde la ligne droite. Il était C2. Victor est célibataire et beau gosse et souhaite que cela soit au cas où. Allez Victor. Victor qui descend. Vice-champion de France en 2019. Il est toujours très amoureux de l'OM. Et le sait-elle. Et surtout, Louane. Il va falloir lui demander quand il sera arrivé, mais pour l'instant, il est en piste, Mathéo. Allez, Mathéo. Septième de ce même championnat en 2018. Quelque chose me dit que entre Roman et Laurine, près de la même famille, ce serait pas étonnant, mais c'est pas dans mes fiches. La petite sœur peut-être de Roman. En tout cas, voilà Laurine. Cette année au championnat de France. C'est sur la piste. Ah. Alors voilà Zoé qui arrive en haut de la ligne droite de la goutte. En course, Dany Robinet.
table de chevaux. Vous allez voir passer dans un instant les champions de France 2022 dans sa catégorie C3, c'est-à-dire 13-17 ans. Top champion de France. On applaudit le champion de France. Thank you.
Bonjour, mon père. Oh,
Elles ont même pas vu Lola. Demain. Non, on n'a pas le mais ça saute. Partez, par contre, les loulous, ils ont dit. Hein. Reculez-vous un peu. Allez, on va faire une expérience. Non, moi, je vais faire un petit peu de fantôme.